total demi-heure, non? En total, C'est ça. en total. D'accord. Merci beaucoup. Ça c'est pour moi un vrai plaisir de participer dans ce séminaire. Je vous remercie. Ah oui, je vais. Si. Je peux le faire. Non, je le fais. Voilà. Je vous remercie. Je remercie à l'association, à l'organisateur du séminaire et en particulier aussi à Monsieur Finance d'avoir suggéré que je peux participer. Et aussi, je vous demande d'excuser mes limitations linguistiques. Et donc, j'aurais quelques difficultés à m'exprimer, mais je demande que vous puissiez être généreuse. Et même après déjeuner, bon, ici, on a fermé un peu les vitres. Et on peut rester tranquille, dormir un petit peu si ça ne m'intéresse beaucoup. Pas de problème de ma part. Et bon. Je vais vous faire une présentation concernant un projet que nous développons, nous sommes en train de développer. Et nous trouvons plus ou moins un peu plus de la moitié de ce projet pour les mots critérisation. Je l'ai appris ici dans le séminaire. J'ai dit ces comparaisons. Je suis allé à Paris, à ce pays, j'explique, disais comparaisons. Critérisation pour faire un peu l'analyse des points forts, points faibles du système universitaire au sein de l'Europe en particulier. Et ce projet, nous avons démarré ici à l'Espagne, c'est-à-dire la conférence des recteurs espagnols a supporté ce projet, a poussé pour que ça marche. Et après, nous sommes contactés avec la EUA. Et les gens de l'UA, en particulier de Bordeaux, ont dit qu'ils se trouvaient intéressants. Et même, je vais vous expliquer quelque chose dans la deuxième partie en détail avec l'Italie. Une des raisons, c'est que l'ancien président de la conférence des recteurs de l'Italie, Stefano Paleari, l'ancien recteur de Bergamo, était là et dit, bon, on peut commencer cette partie que je vous montrerai avec nous, avec les Italiens. C'est la raison des choix que je vais expliquer. Bon, je commence. Tout d'abord, pourquoi? Pourquoi faire ce type établir un système de critérisation et faire une comparaison entre les systèmes universitaires à l'Europe? Bon, parce que je vais vous expliquer l'intérêt, à notre avis, les contextes, les précédents, les objectifs et la méthodologie. Et pourquoi, comme j'ai dit. Il y a un contexte international, global, qui, dans tout le monde, tous les systèmes universitaires sont fortement intéressés, les policymakers et toutes les autres personnes du côté société, du côté de l'académie, concernant quels sont les résultats obtenus dans ce qu'on appelle d'une façon très diffuse, excellence, et faire quelques benchmarking entre les systèmes, même du côté des établissements, du côté des systèmes universitaires globaux des pays. Et en plus, une autre chose que c'est important, c'est connaître dans chaque pays, dans chaque système, quel est le rôle joué par des universitaires pour aider les progrès sociaux, le développement technologique, économique, social en général. Et tout ça dans un cadre international dans lequel on doit fixer des priorités, on doit définir quelles sont les alliances. Hein. L'alliance est correcte, non? Les mots, les alliances entre les uns et les autres pour faire projet international. Et, bon, qui nous parle aujourd'hui de l'horizon 2020, par exemple, non? Même mon fils, qui habite à les Pays-Bas, à Delft, m'a envoyé aujourd'hui, il est très content parce qu'il a obtenu un petit projet aujourd'hui de l'horizon 2020. C'est un langage commun pour tous nous. Et en plus aussi, l'autre condition de pour. C'est convaincre que ce type de travaux peut être intéressant, c'est la transparence et la responsabilité des systèmes universitaires.
Il y a, concernant des objectifs des projets, un objectif du point de vue du côté méthodologique. Il se concerne à établir une méthodologie pour faire d'une façon périodique une production de collecte de données et production d'indicateurs pour connaître quelle est l'évolution des les uns et les autres, les points forts, les points faibles. En même temps, notre objectif, c'est, si c'est possible, on verra à la fin, de faire avec une certaine périodicité rapport en faisant des comparaisons cadre européen ou des projets bilatéraux. Et finalement, étudier quelques aspects spécifiques, que ça, on ne peut pas dire à la mode, mais on a parlé, le recteur de Cantabria a expliqué, dans notre mode, quelles sont les priorités que nous avons eues dans les dernières années. Dans notre pays, il y a d'autres questions, mais toutes sont très semblables. Étudier du côté établissement et du côté système universitaire. Étudier dans les deux côtés. Pour commencer, on a dit, ce que nous avons pour commencer, c'est les sources des bases internationales, des publications internationales, différents organismes, des commissions européennes, OCDE, etc., EUA et d'autres. Et avec tout ça, je vais vous expliquer la raison pour laquelle nous avons pensé, du point de vue espagnol, du côté espagnol, qu'on peut sauter d'un cadre national à un cadre international. Pourquoi non faire seulement les comparaisons qu'on fait dans différents organismes et instituts espagnols, de comparer l'évolution des universités d'une communauté autonome avec d'autres. Le professeur Gómez a commenté quelques données de la Catalogne en particulier, mais on a beaucoup de résultats de ça, mais le fait dans un cadre européen. Pourquoi? Et nous pensons que ça, c'est intéressant. Depuis presque 20 ans, le système universitaire espagnol, la conférence des recteurs des universités espagnoles, publie un document tous les 10 ans, s'appelle la Universidad Española en cifras, avec beaucoup de données, avec beaucoup de détails. Je ne connais pas un autre avec un nombre de si considérable de données et si détaillées concernant les. Et on a fait ça avec une collecte de données nationaux. Jusqu'à il fait 3 à 4 ans qu'on a décidé d'ajouter aussi des instruments pour faire l'analyse des données. Non seulement publier des tableaux avec données, mais faire l'interprétation, l'analyse des données. Mais ça c'est à l'Espagne. Mais si on essaye de faire ce type de comparaison, d'élargir ces comparaisons avec d'autres pays, on a trouvé, pour nous, du côté espagnol, que nous avons une information faible, pas suffisante pour faire la comparaison. Et si on parle de ce point de départ espagnol, que c'est à l'origine des projets, concernant cette publication de tous les dessins, et ça est organisé avec cinq domaines. Un, c'est l'efficacité du système. L'autre, c'est l'enseignant-chercheur, les résultats académiques et scientifiques, les demandes des études, l'internationalisation et le financement. Mais ce que je vais vous montrer tout de suite, nous avons pris comme point de départ dans les travaux espagnols et la publication de l'Université espagnole en cifras 2012 qui a été publiée à la fin de 2013. Donc ça veut dire un peu plus de deux ans, moins de deux ans et demi, qui a été publiée. Parce que dans cette publication, ça contient le diagnostic des systèmes, mesure les données et peut connaître un peu l'évolution, mais
il ajoute une liste, un catalogue des indicateurs, des 36 indicateurs, que je vais vous montrer, pas détaillé un par un, bien sûr. Et avec ça, on a comparé l'évolution des tendances dans les différents domaines. Et donc, avec ça, avec cette idée, nous avons commencé. L'idée, c'est qu'on a organisé le travail en deux étapes. Une première étape, c'est la publication d'un rapport préliminaire et avec les données qui sont contenues dans les publications internationales que j'ai mentionnées tout d'abord. Et une deuxième étape, c'est beau, ça c'est avec les publications internationales, mais vous connaissez, ce sont des données de système. Si on veut des centres des côtés d'établissements, nous avons des problèmes, parce que savoir, on doit chercher des informations supplémentaires. Et pour ça, on a décidé de commencer avec des différents pays qui peuvent être intéressés pour faire des projets bilatéraux dans lesquels on tient compte des niveaux des établissements et des niveaux des systèmes. Et on a commencé avec l'Italie, ce que je vous ai dit au début, et on a élaboré une proposition d'indicateurs communs pour les deux pays. On a fait la collecte des données. On a fait l'analyse, on a interprété, on a fait la comparaison entre faiblesses, points forts et difficultés que je vais vous montrer un petit peu à la fin, mais pour connaître ça. À l'heure actuelle, ça a été fini, nous sommes en train de publier ça, on est en train de traduire pour faire la publication en anglais. Nous sommes en train de faire ce travail, nous travaillons avec le Portugal. Et nous souhaitons aussi de faire avec la France. On a le CPU, on a montré ses suggérances. Hein? Bien. Et qu'est-ce qu'on peut dire de la première étape, c'est-à-dire l'étape concernant les systèmes avec les documentations des publications internationales. Et tout d'abord, pour cette monographie, je disais qu'il y avait un catalogue de 36 indicateurs. On a fait un choix de 12 indicateurs parmi ces 36. Ce sont les 12 indicateurs qui nous avons considéré que peuvent être utilisés dans d'autres pays, comme point de départ. Vous verrez que ça, on doit l'arranger dans chaque cas. Mais on a choisi 12 indicateurs qu'on peut, entre guillemets, dire, sont internationaux. Plus que ça, on a fait la cartographie des variables que nous avons besoin d'utiliser en utilisant les publications internationales. On a défini les priorités, on a fait la collecte des données et on a produit la monographie. J'ai essayé d'apporter une monographie, mais je suis désolé, je n'avais pas aucun chez moi. Si vous êtes intéressé, la conférence des directeurs espagnols, je suis sûr qu'elle peut mettre à votre disposition. Même la CPU, nous avons fait arriver quelques exemplaires. L'index de la publication, c'est classique. Il y a les systèmes, les pays qu'on a fait la comparaison, l'analyse de la structure des systèmes universitaires de ces pays, les profils de la population avec éducation supérieure dans chaque de ces pays en global, la demande de cette île, le profil d'étudiants inscrits à la première année, etc. Vous pouvez les voir, et même les profils des diplômés à la fin. Et en plus, les ressources, c'est-à-dire les dépenses d'éducation supérieure, l'activité, les résultats des activités scientifiques et les classements dans les rankings des universités. On a fait le choix de 12 pays pour ce rapport préliminaire. Les classements par région, c'est une chose seulement pour nous pour parler entre nous, hein, ce qu'on a fait. Et on a essayé d'équilibrer, mais pas de déséquilibrer au nord. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que nous avons l'intérêt surtout dans la Méditerranée. Mais on a considéré qu'on avait besoin même de données des pays du Nord, mais pas avec un déséquilibre, hein,
entre les uns et les autres. Bon, et avec ça, nous avons les 36 indicateurs que j'ai dit, et on a marqué ici en bleu les indicateurs qu'on a choisis pour faire la comparaison internationale. Ici, c'est l'offre et demande des études. On a fait la distribution des étudiants inscrits dans les premières années, dans les bachelors et dans les différents domaines et pour le sexe. Et aussi, à la fin, je vais vous montrer le résultat, et le rapport entre les étudiants qui, dans un établissement, dans un système, ils sont dans les bachelors et dans les masters d'études supérieures, master et doctorat, vous verrez, et dans chaque domaine d'études. Et ici, quelques résultats, seulement qu'il y a. Bon, ici, je vais aller très vite, si vous me permettez, sinon je peux retourner. Les pourcentages des populations d'éducation tertiaire, ce sont les dernières données dans chaque des publications qu'on a utilisées. Ça, c'est l'éducation à déclenche. Et ça, c'est l'étudiant inscrit à première année de bachelor. Vous pouvez trouver hommes et femmes, garçons et filles dans tous les pays. Vous pouvez voir ce qui est bien connu, que le pourcentage des femmes, c'est plus haut dans tous les pays, sauf, dans ces cas, dans l'Allemagne et la Suisse. Et ça, c'est le résultat. Et si on tient compte de qui arrive la première année des masters, c'est dans tous les pays, sauf le Portugal, que le nombre de femmes c'est plus haut, le pourcentage de femmes c'est plus haut que le nombre d'hommes. Et ça change dans les doctorats. Les doctorats, le nombre de garçons, d'hommes, c'est plus haut, sauf le Portugal. Je pense que j'ai dit incorrect dans le cas des masters. Je voulais dire ça, je tenais la mémoire. C'est ça dans le cas, le Portugal est différent des autres. Dans les masters, c'est dans tous les pays, c'est plus des femmes que des hommes. Bien. Si on tient compte aussi de cette question que vous savez, c'est très important au sein de l'Europe, quelle est l'attractivité des études de sciences, maths, physique, etc., et de l'ingénierie dans les différents pays. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de rapports, vous connaissez mieux que moi, même il y a ce qu'on appelle le rapport Rocard, non, il fait 10 ans concernant combattre ces défauts, non, des vocations pour les études, d'attractivité pour les études des sciences pures et appliquées. Mais vous pouvez voir les pays, je trouve que ce n'est pas intéressant d'aller les commenter un par un des chiffres, je n'ai pas même du temps. Vous pouvez voir, par exemple, la vocation scientifique de la France, comparée avec d'autres, des côtés sciences pures, et se montre là-bas. Bon, il y a trois choses. Je continue. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est quel est le rapport entre le nombre d'étudiants d'un bachelor et le nombre d'étudiants d'un master dans des pays. Et ça sera plus intéressant quand on fait par d'établissement, parce que ça, c'est un indicateur clair de connaître quelle est la visibilité, la position internationale d'une université si, en fonction de quel est le résultat de ces rapports. Un bachelor divisé par... master. Et on a ajouté ici master et doctorat. On a considéré parce que vous savez que nous avons une différence avec vous et même avec le Netherlands dans le cas de master. La durée, c'est un problème que nous avons en Espagne. Bon, je continue avec dans le deuxième domaine. J'ai dit qu'il y a 5. Ça, c'est l'activité de recherche et les professeurs chercheurs. Et ici, c'est le rapport entre les professeurs docteurs et le total des enseignants. Et aussi, le vieillissement, c'est un autre. Et l'autre, c'est les publications Web of Knowledge. Nous proposons, vous verrez que dans le cas d'Italie, l'Italie préfère travailler avec Scopus. Et divisé par les enseignants docteurs à temps complet, à plein temps. Et même si on a dans les,
dans la publication des thèses, et aussi les recettes provenant des contrats dans les domaines de recherche et transfert de ressources dans des pays. Et ici, il y a aussi quelques... J'ai choisi, c'est beaucoup plus, les tableaux, des résultats que j'ai choisi quelqu'un seulement, parce que je savais qu'il y avait environ 20 minutes, 25, mais je n'avais pas l'opportunité de... Seulement quelqu'un, hein, un échantillon. Et bon, vous pouvez voir ça. Et ça, et par exemple, si vous me permettez, nous sommes à Madrid, et si vous me permettez, faire un commentaire de l'Espagne. Vous savez, l'Espagne est arrivée plus tard que vous, en France. Bon, j'ai fait mon troisième cycle à Paris, mais que la France, que vous, et que l'Allemagne et d'autres pays. Et donc, en principe, la croissance du nombre des universités à l'Espagne, c'est plus récent. Les années 80, en résumé, les années 80, ça a été créé un nombre considérable d'universités publiques à l'Espagne. Et les universités privées ont été créées après. L'année 90, les universités espagnoles publiques sont plus grandes que les universités privées. En moyenne, les universités publiques espagnoles sont 27 000 étudiants, en moyenne. Et les universités privées sont 6 500. Bon, et donc, si ce que j'ai dit, que les universités espagnoles, en total, sont plus jeunes, ça, c'est une chose frappante si on regarde ces publications, parce que plus de 50 ans, c'est 42% en Espagne. Comment ça, c'est possible? C'est à cause de que nous avons, dans l'ère actuelle, et pendant les trois premières années, José Carlos a expliqué dans la table ronde, on a coupé l'entrée des jeunes gens dans le travail à l'université, comme enseignants et chercheurs. Donc, on a réduit les nombres et les pourcentages des les plus jeunes. Et vous pouvez voir que c'est 2,0. Et ça, c'est une question. Ça, c'est aussi, on peut faire un commentaire semblable dans le cas de l'Italie. Et ça, c'est quel est le pourcentage des produits intérieur brut dans chaque pays et pour la recherche recherche faite dans les universités, dans les labos universitaires. Et vous pouvez voir ici. Et notre intéressant, je m'excuse d'aller vite, hein, un autre, c'est que les pourcentages du total des budgets de recherche qui est utilisé dans les universités. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est quelle est la position dans les publications des différents pays. Ça, c'est aussi c'est la dernière publication de Simago. Et vous pouvez voir où sont placés les pays. Ce sont normales. Espagne a descendu. Et c'est le dixième maintenant. Mais ça, une chose, c'est intéressant ici, parce qu'il y a le total des publications, mais on peut aussi trouver un résultat concernant la qualité des publications. Si on tient compte de la dernière colonne, de l'index H, vous connaissez bien l'index. Et donc, vous pouvez voir, par exemple, l'Espagne est dépassée par la Suisse et par les Pays-Bas en particulier, pour montrer des systèmes complètement différents, mais des systèmes de référence de la qualité des systèmes. Finalement, ici, efficacité. On a choisi trois indicateurs concernant les résultats, les succès dans des études, qui ont réussi dans ces examens, etc. Et pour le financement, quel est le rapport entre la partie de budget pour payer les salaires de l'État, les gens qui travaillent à l'université, et le total. Et voici, ce sont des données très connues. Ça, c'est quel est le pourcentage des produits intérieurs bruts pour chaque pays et public, et la
la partie privée, c'est dans le cas de la France, l'Espagne et d'autres pays. Et ça, quelle est la moyenne des de dépenses par étudiant? Étudiant, vous savez, ici la France, ici l'Espagne. Année 2012, hein, attention pour l'Espagne, etc. Et finalement, que dans les dépenses ordinaires, je ne sais pas comment dire, ordinaires de budget universitaire, qu'on s'occupe de payer des salaires. Vous savez, la France et l'Italie, c'est dans l'autre extrême. Et finalement, le côté international. Ici, on a fait une étude, une comparaison, on a pris les Erasmus pour démarrer. Mais en même temps, on a fait quelle est l'attractivité des étudiants internationaux. Une chose, comme vous connaissez très bien, une chose c'est Erasmus, une autre c'est étudiant international. L'étudiant international, et l'Espagne se trouve à la tête de l'attractivité d'étudiant Erasmus. Mais si vous voyez les résultats d'étudiants internationaux qui vont faire des études là-bas, la position c'est beaucoup moins bien, tandis que la France est bien placée. L'Autriche est petite. Mais, et finalement, j'ai fait ici une chose, si vous me permettez, pour faire une comparaison entre nos pays. Et j'ai choisi un nombre, je pense que ce sont 11 ou 12 des indicateurs. Je m'excuse, ça c'est en espagnol. C'est le nombre d'étudiants de bachelor et master concernant des doctorats, étudiants de sciences et ingénierie, et étudiants enseignants et la proportion d'étudiants internationaux. Je vais passer tout de suite ça et je reviens. Et j'ai fait un classement des différents pays, avec, parce que si on met les lettres les profils des pays, FR ou ES, c'est bien compliqué, les symboles des pays. C'est les meilleurs, c'est bien sûr, dans les premiers, à la fin. Il y a, dans quelques cas, ils ne sont pas 12 parce qu'il n'y a pas de données dans les publications internationales. Je vais essayer de... Non, je vais, et la même chose pour l'âge, le vieillissement des professeurs, les pourcentages des femmes entre les chercheurs, et les ressources, la proportion des produits intérieurs bruts pour dédier à les aides d'étudiants, les dépenses d'études supérieures, la proportion dédiée à la recherche, et aussi la production scientifique, l'indice H. Avec ça, on a fait ça, et j'ai ajouté, ou nous avons ajouté, aux extrêmes, les résultats du classement des systèmes en faisant l'addition de l'index dans le Times Higher Education et Shanghai. Bon, si vous voulez faire une comparaison, c'est impossible avec ça, non? si vous permettez un jeu, seulement ça, je vais marquer l'Espagne. C'est ça. Hein? Ce sont quatre coupes, hein? Couleur rouge, vert, je ne sais pas si vert ou quoi, vert, bleu et l'autre. Et la France. Hein? Et ça, c'est recherche. Hein? Ces deux sont recherche. Et les indicateurs que j'ai utilisés ne sont pas tous de le même type. Il y a des bons indicateurs qui sont les bons résultats, c'est tout. Dans les premiers, sont classés les premiers, d'autres au contraire. Hein? Mais c'est intéressant. Hein? Je ne vais pas extraire des résultats, des commentaires pour faire la comparaison. Mais je peux le faire. Hein? Bon, c'est ça. Deuxième étape, et ça je vais faire très vite. Hein? Très vite. La deuxième part, c'est bon, on peut faire ça, on a travaillé, et si vous êtes intéressé, je vous suggère de demander à CPI, même à la conférence, vous me dites moi-même, comme vous voulez, et on peut vous faire parvenir en papier ou en publication électronique tous les rapports, et c'est beaucoup plus extensif et beaucoup plus complet que ce que j'ai dit aujourd'hui ici. Et deuxième étape, bon, on va descendre à l'établissement, niveau établissement, pour faire la comparaison des systèmes et comparaison d'établissements.
On a parti, on s'est allé avec les Italiens et dit, bon, nous avons 30 indicateurs, parmi ça, 12, nous pensons qu'on peut utiliser pour faire la comparaison entre les deux pays. Et avec ça, on a travaillé avec les gens de Bergamo et d'autres collaborateurs là-bas. Et on a travaillé, nous sommes en train de, maintenant de faire la traduction, le rapport c'est en train d'être publié, c'est fini le rapport. Et on est arrivé à l'indicateur. L'indicateur en total, ce n'est pas 12, c'est 17. On a indicateur des niveaux des universités, niveau des établissements et indicateur des niveaux du système. Vous savez ici, je pense que ce n'est pas nécessaire de le dire. Oui, mais c'est classique. Hein? Mais nous sommes avec la contrainte de trouver les points communs, hein? L'intersection des intérêts des uns et des autres. Et du côté du système, sont 12. Donc 17, 5 plus 12 pour faire la comparaison. Et ça, c'est la proposition en commun des projets bilatérales Italie-Espagne. Hein? Quelles sont les sources qu'on a utilisées dans ces cas? Et difficultés. Seulement deux mots. Et un, c'est la durée des études. Ça, on va trouver toujours ce type de problème, hein, mais on peut le résoudre. Un autre, c'est le système que fixe chaque pays pour faire la transition avant l'espace européen et après. L'Italie, c'est beaucoup plus souple. Hein, et l'Espagne, on l'a fait beaucoup plus rapidement. Et aussi les conditions des doctorats. Les doctorats, l'Espagne... Toujours, nous avons eu des problèmes dans le passé pour fixer ça avec un standard de qualité suffisant. Et difficultés que nous avons trouvées aussi avec les cas de la comparaison de l'Espagne et l'Italie. Les systèmes d'agrément sont choses si simples, mais créent des vrais problèmes, hein, des travails, des jours, des gens heureusement, ce sont des jeunes gens qui travaillent dans les deux groupes. Faire l'agrégation des études par les domaines, d'études, les branches d'études, ou les branches d'études. Et l'autre, pour les enseignants chercheurs, c'est des domaines scientifiques. Ça, on a créé des difficultés. Aussi, dans le cas italien, ils n'ont pas la distribution des agrégés les frais d'inscription. On travaille avec les valeurs moyennes. Aussi, il y a une différence agrégation dans les cas ou désagrégation dans les cas académiques. Donc, il y a des problèmes. Et l'idée, c'est, comme j'ai dit, nous sommes ici, dans le cas de Portugal, le 19 juillet, nous espérons obtenir déjà la liste finale. Nous avons réuni au Porto, on a eu une réunion ici à Madrid, on a eu tout d'abord une autre à Lisbonne, etc. Et les catalogues pour faire la comparaison à Portugal. Et j'espère qu'on fera, parce que j'ai entendu que le 13 juillet, on aura une réunion ici à Madrid, c'est plus cool. Je ne sais pas si on va continuer, j'espère que oui, ça va continuer. Et ici, je ne vais pas continuer, seulement je vais vous montrer ça dans le commentaire, c'est quelle est, après cette expérience, notre suggérance de comment démarrer à partir d'ici pour faire une comparaison, élargir la comparaison avec des projets bilatéraux avec d'autres pays, en particulier avec la France. Ça a été montré à CPI. Mais c'est très clair. On a dans chaque domaine quels sont les indicateurs et quelles sont les variables qu'on a besoin d'utiliser pour faire ces comparaisons. Du côté des enseignants, chercheurs et résultats, recherche, etc., variables, indicateurs variables. Côté d'efficacité, même chose. Côté des finances, même chose, et finalement, international. Et des étudiants, c'est la deuxième partie de la même, et internationalisation, ça. Et donc, nous sommes arrivés, c'est 28, avec le 28. Ah non, pardon, internationalisation. 32 avec les variables qu'on a besoin pour faire ça. Et bon, finalement, un commentaire très général. Ça peut aider pour travailler ensemble dans l'espace européen, pour la transparence,
pour faire benchmarking européen que nous avons besoin, vraiment, je suis convaincu. Le bon résultat, translaté d'une géographie à une autre, et la responsabilité et faire aussi développer politique commune d'intérêt dans l'enseignement supérieur. Et c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Donc l'idée serait quand même de prendre les bonnes idées dans chaque pays